Vous êtes en panne? Oui, en panne d'essence. Je viens chercher au village. À pied? Bah, parfois, je viens. Bah, écoutez, mademoiselle, montez. Je vais vous emmener jusque-là. Dans votre Bugatti? Elle est jolie. Très jolie, vous allez me dire. Belle carrosserie. Je n'en connais pas plus belle. J'ai le petit châssis. Celui que j'ai. Ça marche. Ah, bah, je l'espère. Je crois que nous ne parlons pas la même langue. Je préfère y aller à pied. Oh, écoutez, mademoiselle, je ne souffrirai pas par cette chaleur. Mais monsieur, en fait... Mais écoutez, le village n'est peut-être pas loin, mais avec la voiture, on ira très vite. Mais monsieur, je ne vous connais pas. Mais moi non plus, mademoiselle. Et ça ne m'empêche pas de vous trouver charmant. Quand par aventure sur le chemin, on se donne un petit coup de main. Est-ce vraiment la peine de dire son nom, tout comme dans un salon? On se rend service tout simplement entre gens du volant. Et l'on repart chacun de son côté sans s'être présenté. Nous ne savons pas qui nous sommes. Vous êtes une femme, je suis un homme. Notre rencontre est somme toute un petit incident de route. Qu'importe comment on s'appelle, Georges, Pierre, Blanche ou Daniel, c'est par solidarité que je me permets d'insister. Pourquoi ne pas accepter? Montez, pas besoin de pièces d'identité. Ben allons, mademoiselle. N'hésitez pas. C'est une affaire entendue, nous ne savons pas qui nous sommes. Qu'est-ce que ça peut faire? Vous êtes une femme et moi un homme, et voilà tout. Nous nous sommes rencontrés aujourd'hui par hasard sur cette route. J'en suis bien content. Mais c'est pas autre chose qu'un petit incident de route. Et puis ma foi, qu'importe comment on s'appelle. Mais c'est vrai, qu'est-ce que ça peut faire? Que ce soit Georges, Pierre, Blanche ou Daniel. C'est par solidarité que je me permets d'insister. Alors je veux bien accepter. Montez, pas besoin de pièces d'identité.